Salut tout le monde, salut, salut, bienvenue sur mon live, bienvenue, bienvenue, salut tout le monde, bienvenue encore une fois, bienvenue, je vais attendre que tout le monde soit un peu là, je suis de mauvaise humeur, je suis désolé, je suis un peu de mauvaise humeur, mais je vais vous expliquer un peu en détail ce qui s'est passé, et puis voilà, on va attendre que le bouseux arrive tranquillement, le bouseux il est parti récupérer un colis, et puis voilà, en tout cas moi je suis très content de vous retrouver les Rey, vraiment très très content, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée, j'espère que tout s'est bien passé en ce début de semaine. Et puis voilà. Coucou TK, salut, salut, salut les Rey, salut, salut. Salut, salut, salut. Bien fait pour ton appartement. Tu vois, tu vois, gars, tu vois ce que tu dis là, tu vois, c'est. Ça se voit que tu m'aimes pas de base. De base, ça se voit que tu m'aimes pas. Pour que tu me dises ça, c'est que tu dois pas m'aimer. T'as attendu qu'il m'arrive une couille, justement pour me dire ça au lieu de comprendre la situation. Bref, vas-y. En tout cas, pour les gens qui savent pas, j'ai fait des demandes d'appartements, etc. D'ailleurs, j'en visite trois demain parce que mes dossiers ils ont été acceptés. Mais avant de revenir sur le sujet, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai déménagé trois fois dans ma vie. La première fois, la deuxième fois avec Kenny et la cagoule, et ici le troisième appartement. Et en toute façon, là où je suis situé, c'est un beau quartier de Paris, c'est un quartier bobo, juste à côté de l'Arc de Triomphe, les Champs-Élysées à deux pas. Donc, tu vois, quand j'ai loué l'appartement. J'ai pas eu des messes basses, oui, nanana, tu vois ce que je veux dire? La meuf, elle a regardé mon contrat, elle a vu que mon dossier était rempli, elle a vu que je payais mes impôts, elle a vu que j'avais une fiche de paye 3 fois, 4 fois supérieure au loyer, etc. Elle m'a pas cassé les couilles. Là, j'ai fait une demande d'appartement, le mec, il m'a jugé sur le faute d'orthographe. Et je l'ai mis à l'amende directe. Et je l'ai mis à l'amende directe, je me suis pas laissé faire. Le mec, il m'a jugé pour le faute d'orthographe, ça va ou quoi? Ils font comment les gens si t'as des gens qui sont en Angleterre ou dans les pays de Moyen-Orient ou t'as des gens qui sont de bonne famille, peu importe, bref, qui ont de l'argent mais qui savent pas forcément bien parler français ou écrire le français. Comment ils font s'ils veulent louer un appartement? On va leur dire c'est quoi les fautes d'orthographe? C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Mais bref, c'est pas grave parce que moi je me suis pas laissé faire. J'ai montré mes fiches de paye. Le mec il a commencé à bégayer. Il m'a proposé un rendez-vous pour demain. Mais ce que j'ai pas accepté, c'est qu'il juge mes fautes d'orthographe. Coucou papa ours, salut Arnaud, merci beaucoup pour les 10 euros. Isdore, 1 euro, merci beaucoup. Papa ours, elle va bien Marie? Elle va très très bien, je te remercie. Elle va très très bien. Je t'aime gros, merci beaucoup Pablo. Même, t'imagines, il m'a pris de haut, quoi, tu sais. Il m'a pris de haut, tu sais. Il m'a dit, ouais, je peux pas vous louer, vous faites des fautes d'orthographe. Quoi? Ça se trouve, tu vas louer à des gens, ça se trouve, tu vas louer à des gens qui font zéro faute d'orthographe, et ça se trouve, c'est eux qui vont même pas payer ton loyer, ou bien ils vont avoir des loyers en retard. Oh là, je l'ai mis à l'amende, hein. Je me suis pas laissé faire. Je lui ai dit, mais d'où vous me parlez comme ça? Je dis l'appartement que je lui dis, hein, je dis l'appartement que je vais te louer, il est situé dans un endroit paumé. J'habite dans le 8e, moi. J'habite juste à côté du parc Monceau. L'un des plus beaux parcs de Paris. Juste à côté de l'hôtel de collectionneurs. Je suis à deux pas de l'Arc de Triomphe. J'habite à deux pas des Champs-Élysées. Et tu me dis, je fais des fautes d'orthographe. Regarde mes quittances de loyer. J'ai jamais eu un retard. Mais il est malade, lui. Va niquer ta mère. J'ai envie de le faire une crasse. La tête d'homme, j'ai envie de le faire une crasse. Ce soit demain, j'y vais à rendez-vous, je fais Zama. Vas-y, je te le prends. Je lui fais croire que je le prends. Et au final, je le prends pas. Comme ça, il va savoir ce que c'est de parler aux gens. Il est complètement malade, ce mec-là. Romain. Ah, kangourou. Prends-moi comme secrétaire jusqu'à la fin. Hé, t'as vu? Hé, kangourou, t'as vu hier ce que je t'ai demandé? T'as vu? En fait. C'est de ma faute, Ray. C'est de ma faute parce que. Et puis même, non. J'aurais écrit le mail, je crois, il m'aurait même pas répondu. C'est pour ça, moi, j'ai fait appel à tes services, tu vois. Et j'aurais dû t'envoyer un message pour te dire, tiens, corrige-moi. Mais t'as vu? C'est. La vie de ma mère. J'ai dit, d'où tu me juges, toi? D'ailleurs, je vais te prendre un appartement qui est plus pourri que celui-là. Bon, certes, plus grand. J'ai pas l'une des plus belles avenues du monde dans votre futur appartement, ce que je sache. J'ai pas l'Arc de Triomphe, ce que je sache à côté. Juste des magasins, un Monoprix, un Carrefour Market. Et vous me dites, vous, les fautes d'orthographe, moi?
Et encore, ça va, il est tombé sur moi. Ça aurait été une autre personne. Là, il aurait dit, excusez-moi, donnez-moi votre adresse. Il serait parti jusqu'en bas de chez lui. Il dit, vas-y, redis-moi ce que tu m'as dit par SMS. Complètement malade. Regarde, l'appartement que je loue actuellement. J'ai loué une dame. Wallah, elle m'a fait aucun jugement. Tiens, la vie de ma mère. Regarde l'état de ma signature. Attends, je l'ai mis où mon contrat, elle est là. Ah, mais la vie de ma mère, regardez. Ouais, d'où tu me parles comme ça, frère? Donc ça, c'est mon contrat, location, tu vois. C'est l'appartement que j'ai actuellement. Elle a vu mon écriture, hein. Voilà. Mon écriture. Ici, là. Là, je vais mettre mon doigt. Là, j'ai mis mon doigt. Vous avez vu? Regardez comment j'ai écrit ça comparé à elle. Un médecin, il écrit mieux que moi. Tu sais, parce que les médecins, des fois, on a du mal à les lire. Un médecin, il écrit mieux que moi. Elle a vu comment j'écrivais, elle m'a pas jugé. Je te jure. Ça m'a blessé, moi. Moi, ça m'a vraiment blessé. Et à toutes les personnes, et à toutes les personnes qui lui ont donné raison sur Twitter, wallah, vous êtes encore pire que lui. T'as carrément des gens sur Twitter, ils m'ont dit, ouais, mais il a raison. Mais il a raison de quoi, frère? Imagine un de ces quatre, t'as ton cousin du bled, il arrive, il a de la thune, mais mesquine, il sait pas parler français, il a l'accent. On lui dit, non, monsieur, on peut pas vous louer. C'est la société d'aujourd'hui, hein. T'as des têtes d'arabes qui ont des diplômes, mais leur tête, elle passe pas. Parce qu'on va les juger pour son apparence. Et là, ce que vous avez dit sur Twitter, c'est la société d'aujourd'hui. Le pire, c'est que vous lui donnez raison. Et vous en êtes fiers. Voilà, vous êtes une honte. La vie de ma mère, vous êtes la pire des hontes. Et Inch'Allah, j'espère que ça va arriver à un membre de votre famille, vous allez rien comprendre. Ah bah, comment ça se fait? Bah, mon frère, il a de l'argent, mon frère, il a ci, il a ça. Ah, pourquoi il a été refusé? Ah, parce qu'il a fait. Ah, parce qu'il a oublié un S à la fin. Hein? Ah, parce qu'il a oublié la majuscule. Ouais, putain. Mais vas-y, tranquille, c'est pas grave. En tout cas, je me suis pas laissé faire. J'ai dit mon mot, je lui ai envoyé mes fiches de paye. Et crois-moi, quelqu'un l'a vu flou maintenant. Je te jure, il m'a proposé un rendez-vous pour demain. D'ailleurs, 10h demain. Je te préfère dans ton ancien appartement, perso. T'es pas le seul à le dire. Ta gueule, les joues. regardez l'espace commentaire. Ferme ta gueule, les joues, t'es qu'un. Putain, mes gros abonnés. Tu mélanges tout. Mais je mélange quoi, mec? Attends, avant que je lance la game. Dis-moi, qu'est-ce que je mélange? Faut arrêter les bêtises, frère. À la base, hey, qui que tu sois, quand tu loues quand tu loues ton appartement, tes origines, ta façon de parler, bref, ton écriture, ça, tout ça, c'est de côté. Le plus important, c'est les papiers administratifs. Les papiers ne manquent pas. Voilà, tu t'appelles Jawed, dans le papier, c'est marqué Jawed. Vous touchez combien? Un exemple, hein, je touche 28K par mois. 28K par mois, ça m'étonnerait, vu comment vous parlez. Regardez dans le papier, monsieur, c'est marqué. Ah bon, oui, effectivement, oui, c'est vrai. Tu vois, ça, c'est, on doit pas juger sur l'apparence, sur la façon de parler ou sur la façon d'écrire. On doit juger sur les papiers. Et les papiers, les chiffres, comme on dit, les chiffres, tout ce qui est écrit, ça ment pas. Voilà, les chiffres ne mentent pas. Ça m'a... Ah ouais, merde, le bouseux, j'ai oublié le bouseux. Putain, il va me tailler, ce fils de pute. Allô? Il vient quand, gros sac à merde? Bah, je sais pas, je l'attends depuis tout à l'heure. Je suis là, tu m'entends? Ah, ouais, yo, ça va ou quoi? Ouais, putain, te moque pas, sale bâtard, va, ce qui s'est passé, hein. Bah, de quoi, par rapport à quoi? Bah, mon appartement. De quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je me suis fait recal. Ta gueule! C'est parce que tu sais pas écrire? TK, tu vois TK, je veux que tu saches, c'est dans ces moments-là que tu peux te dire, ah ouais, merde, j'aurais dû dépasser la sixième au moins.
Mais j'en suis conscient. Tu serais allé au moins au troisième. Je pense que t'aurais su écrire déjà appartement. Parce que appartement. D'accord, j'ai écrit. Mais le bouseux. Moi, tout ça, je suis trop d'accord. Wallah. Et d'ailleurs, gars, j'en ai fait une vidéo spéciale. Je donne raison. Je donne raison aux abonnés qui disent ouais, t'es qu'à l'écriture, c'est important, nanana. Tout ça, je donne raison. Mais le bouseux, mais c'est maintenant, aujourd'hui, pour faire des démarches, ta façon d'écrire. Ou ta façon de parler, parce qu'il peut y avoir des blédards, des mecs qui viennent d'Afrique du Sud ou d'Angleterre, ou des Chinois qui savent pas forcément parler la langue, mais qui ont les papiers et qui ont l'argent pour. Comment ils vont faire ces gens-là? On va leur dire, ouais, fallait bien apprendre le français à l'école. Mais non, le bouseux, tu peux pas. Bah, forcément, dans la génération qu'on a là aujourd'hui, les mecs de 50 ans, je pense que Proprio, il a 40 ou 50 ans, non? Mais qu'est-ce qui me casse les couilles? L'appartement qu'il veut me louer, ça habite à Babelwed. J'habite dans le 8ème arrondissement, il me fait la morale. Même la meuf qui m'a loué cet appartement m'a pas fait la morale. Qu'est-ce qu'il se raconte, ce halouf? Est-ce que t'avais vraiment fait des fautes avec la meuf qui t'a eu l'appartement là? Mais bien sûr, la vie de ma mère, j'ai fait des fautes d'orthographe comme pas possible. Tu sais, quand j'ai signé le bail, le contrat de location là, j'ai signé le bail. Ouais. Dès qu'elle a vu mes signatures. Normalement, est-ce que t'as une phrase à écrire là, une phrase hyper longue? Lui est approuvé. Même lui approuvé, j'ai fait des fautes d'orthographe, frère. T'as écrit comment? Je sais pas, laisse-moi tranquille. Mais non, mais TK, au moins, ça prouve à. Enfin, il faut dire à nos abonnés que. Enfin, faut pas faire comme TK à l'école, quoi. Ouais, et bah, soit. Sont à tête de meurtre, sur ça, je suis d'accord. Okay, il gagne mais les gars, travaillez bien, on l'a travaillé bien. Sachez que. Il a eu de la chance. Je rigole, je rigole. Oh, fils de pute. Bah, je m'en bats les couilles. Au final, il a changé d'avis. La vie de ma mère, elle a changé d'avis au final. Je lui ai montré mes fiches de paye, là, il a changé d'avis. Bah ouais, tu lui as montré tes bulletins de salaire maintenant. Tu peux parler qu'avec tes bulletins de salaire, toi, t'as que ça comme preuve que bah ouais, mais bon, je trouve ça dommage. C'est voilà, il faut les chiffres. Le mec, putain, les mecs, ils se disent quoi dans la vie? Ils se disent, lui, c'est pas parler, c'est. Oh, t'as des gens, la vie de ma mère, t'as des gens, wallah, il a des. Ils savent ni écrire, ni parler, mais ils ont une intelligence au plus profond d'eux que tu peux pas imaginer. Je te parle pas de moi, attention, très loin de là, moi je suis la pire des pourritures. Hein. Mais t'as des gens qui savent ni parler, ni écrire, mais ils ont des imaginations que tu peux pas imaginer. Bref, allez, vas-y, qu'est-ce qu'on parle de ça? Attends, TK, l'appartement, il est vers où? Vers le 15ème arrondissement, juste à côté, tu vois... Gare Montparnasse? Non, Champ de Mars, enfin à côté de la Tour Eiffel. Bah, c'est bien là, non? Ouais, mais tu t'écartes un tout petit peu, t'as deux pas? Mais voilà, mais je vous dis c'est et bon. C'est combien de mètres carrés? C'est un 50... Non, c'est un 68 mètres carrés. Ah ouais, comme je l'ai là, comme je vais avoir. Il est bon, hein. Et c'est à combien le loyer? Oula, attends, hop, j'ai la page, hop. Attends, je dis, je propose avant, tu me dis si je suis loin. Vas-y. Moi je dis, on est sur un loyer à... 3100... 3400 euros. T'es trop presque. Je suis pas loin? Ouais. 3300? Là, tu t'éloignes un peu. 3600? Un tout petit peu encore. 3900? Un peu moins. 3800? Ouais. Ah ouais. Ouais. Ouais, donc faut que tu gagnes 3 fois le loyer. Ouais. Ouais, donc oui. Ouais, ça fait du 11 000 balles, quoi. Ouais, bref, vas-y, s'en fout. Vas-y, on joue. j'ajoute pas Big Max. comment tu vas faire puisque YouTube va être supprimé? Pour mon appart non, de 70 mètres carrés. T'as dit quoi? Tu sais combien je paye pour mon 70 mètres carrés, moi? Bah, dis-moi. Un truc neuf de 2018. Hein. Ouais, dis-moi. 700. 700 euros? Ouais. Bah, tu vois, t'as de la chance, hein. Ouais, mais moi je suis pas à côté de la Tour Eiffel, tu vois. Ah, mais bon, ça on s'en fout, mais t'as quand même de la chance de payer très peu, c'est bien. En plus, dans un bel appartement, c'est beau. Il te plaît au moins? Bah, ouais, mais je l'ai pas encore visité. Ah, mais là, ça va être autre chose. Tu vois. T'as vu les photos? Ouais. Tu pourras m'envoyer les photos en DM pour que je puisse voir à quoi ils ressemblent? Bah, je te l'enverrai directement quand je le verrai. Parce qu'en fait, le promoteur il donne les clés au propriétaire le 30 novembre et il le loue le 1er décembre. Donc, samedi prochain, je l'ai. Regarde l'autre, regarde. Attends, qu'est-ce qu'il m'écrit? Mort de rire, mais sur ma vie, il a raison. Les agents immobiliers sur Paris reçoivent 60 dossiers pour un seul bien. Et pensez sincèrement qu'ils vont prendre le risque d'examiner le dossier d'un mec qui sait pas écrire. Il a pas le temps. Ah, mais t'as de la chance que tu sois une fille. Oh,
Attends, comment tu t'appelles toi? Oh putain, attends, tu crois que je voulais répondre? Tu veux lui répondre quoi? T'as vraiment de la chance. Non, attends. La vie de ma mère, je lui réponds. T'as vraiment de la chance. Est-ce qu'elle a tort? Ça met à me saoule. Elle a pas tort, mais attends. T'as vraiment de la chance. Mais le dis-lui que t'es pas passé par une agence, t'es passé par le propriétaire. T'as vraiment de la chance que tu sois une femme. Sinon, je t'aurais mis la bite dans ton cul. Non, non, non. T'as vraiment de la chance que tu sois une femme et que tu mets du vernis à ongles rouges avec ton petit verre de vin. Vin rouge. Bref, pour info, je suis pas passé par une agence. Une guise. Vas-y à toi, HM. On pourrait se voir pour boire un verre. Allez, hop. Oh là, ah, tu lui proposes crayon d'aller boire un verre. Ouais, hop. Ouais, c'est bon, c'est tweeté, nique sa mère, je m'en fous. Dans tweeté, t'es vraiment un gros charreau. T'es un gros charreau. The Charreau 78. The Charreau 78. Et y'a pas encore de compte. Mais elle est vraiment belle. Je sais pas pourquoi y'a pas encore de compte de The Charreau ou The Charreau 78. Vite, tu les as fait vraiment rigoler. TK, il aime bien qu'on le respecte pas, ça l'excite. Un peu, non? Hein? On est parti ou quoi, là? Bah écoute, c'est parti, mais qu'est-ce que tu veux faire? Propose aux abonnés déjà ce que tu veux faire. Un petit cache-cache au début, et après on fait un petit duo. Tu veux faire un cache-cache, là? Ouais, au début, vas-y. Invite-moi. Tac, ok. Oh, vite, tu nous as vraiment fait rigoler avec tes petits boulis. C'est quoi ce bordel? Oh, fusil à pompe spécialisé? Y'a le nouveau fusil à pompe? Non, il est pas encore sorti. Oh non, sérieux? Demain, je pense que c'est demain ou après-demain, non? Je pense mercredi, je sais pas. Oh non. Ouais, je t'ai invité le bouseux. Il a arrêté quoi l'école en CM1? En CM1, il avait déjà 18 ans, du coup, après, il a arrêté, quoi. Vas-y, ok, j'arrive. Vas-y, mets-moi chef. Tu nous as vraiment fait rigoler. Mets-moi chef. Attends, pop. Rigoli. Avec le petit billet de bougouli. Mais prêt. Ok. Tu nous as vraiment fait rigoler. Par contre, pour ce cache-cache, pour la première, donc tu vas essayer de me trouver, mais juste avant, parce que c'est un truc assez spécial. Il faut que t'ailles vers Pleasant Park. Tu vas à Pleasant Park, mais tu bouges pas de Pleasant Park. Sinon, ça va. Attends, tu me fais quoi là? Comment ça, je vais à Pleasant Park là? Tu vas à Pleasant Park. Donc toi, tu vas à Pleasant Park. Ici là. Ok, TK? À Pleasant Park? Ouais, vas-y. Mais je sais même pas c'est où? En haut à gauche! Ça fait un an, il joue au jeu, il sait pas où c'est! Ah ouais, merde! Attends, mais... Pourquoi... Mais pas les villes! Attends, mais pourquoi tu m'envoies là-bas, là? S'il te plaît, va là-bas et tu bouges pas de là-bas. C'est pour un... Voilà, cache-cache, c'est tout. Oh, tu sais que j'ai pas... Oh non, hey, le bouseux, tu me prends pas, hein! Non, hein? Non, je serai pas invisible, t'inquiète pas. Ah! Ah! Tu vois, tu t'es auto-pourcave tout seul, sale fils de pute! Tu vois? Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire là, il y a quelques instants? Je serai visible, j'ai dit. Hein? T'as dit quoi? Je serai visible, j'ai dit. Ah, c'est... Ah, désolé, je suis nerveux aujourd'hui, la vie de ma mère, alors là, il m'a cassé. Oh putain, vraiment, tu nous as fait rigoler avec nos petits monnaies bien rigolis. Faut que je trouve d'abord un item là, spécial.
C'est quoi, c'est un item? Un truc. Par contre, il y a le proprio, il va m'appeler tout à l'heure, là. Je muterai mon micro, d'accord? Parce que si je te fais écouter, vous allez tous rigoler, après. Ah ouais. D'accord? Je mute, ouais. Toi, je te vois bien, là, me prendre ma fiche. Rigouli. Avec mon ami Rigouli. Salut TK, ça va? T'as passé une bonne journée? Bah écoute, j'ai connu des jours meilleurs, mais ouais, ça va. Je vais pas m'arrêter à ça, quand même. Mais c'est super dommage. Tu peux nous nous chanter un truc avec une danse de Fortnite? Non? Non, parce que, regardez, vous étiez méchant avec moi, vous m'avez pas soutenu, vous m'avez dit cher, vous m'avez dit tu bandes. Et maintenant, tu veux que je chante une chanson? C'est donnant-donnant. Putain, où t'as dit? T'as vu, les gars? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, là-bas, ok. Non, rien, je cherchais un truc. Le bouseux, tu me prends pas, s'il te plaît. Hein. Ah, hein. T'inquiète. Rigouli. Tu restes à Pleasant Park, hein? Ouais, Attends. Ouais, je suis à Pleasant Park, là. Et toi, t'es vers où? Je te dirai quand ce sera fini. Franchement, hey, le bouseux me baisse pas la gueule, hein. Autant. Rigouli. Au vide des les jouis. Il te prépare une mauvaise surprise. Qui est le bouseux? Non, c'est faux. La 3 là. Mais t'es délite, bonjour. Il me manque un item là, il faut un truc là. Je l'ai toujours pas, putain, ça me casse les couilles ça. Ok. T'es toujours à Pleasant? Oui! T'es sûr? Mais oui! C'est bon ou pas? Non, c'est pas bon. Ah, putain. Écoute-moi bien, gros papa ours, je t'ai toujours soutenu, alors chante s'il te plaît. Vas-y, ok, vas-y, tiens. Pom 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 pom. C'est l'histoire du papa ours qui a été recalé pour un appartement. Quoi qu'il arrive, si t'as pas d'appartement, tu pourras venir dormir dans notre lit. D'enfant. Pense à nous ramener à l'école avec notre petit cartable. À roulette. Pense aussi à nous faire des petits biscuits. De biscuits. Pense aussi à nous mettre une petite barre. C'est bon, c'est fini. Ah là là. Yo papa ours, la plupart des gens qui jugent tout le temps et sur n'importe quoi, mais le plus important, c'est de rester toujours droit soi-même. Après, si tu veux écouter, je te fais une musique chaque dimanche. Non, c'est gentil, Jom. C'est très gentil de t'en mettre. Merci beaucoup. Trinity, merci beaucoup pour les 99 centimes. Je fais pas de pub, Caro. Je suis désolé, Ray. Mais je te passe une grosse dédicace. Désolé. Bon, le bouseux, ça va ou c'est comment, là? Non, pas encore.
Rigouli. Ehi. Allume Rigouli. Ehi, ehi. Bah moi je te préviens le bouson en tête, la vie de ma mère, t'as beau faire de la construction, la vie de ma mère, je vais sortir les lance-roquettes hein. Rigouli. Ehi, ehi. Qui nous a vraiment fait Rigouli? Dans combien de temps je pourrais venir te chercher le bouseux? On va raconter. Je sais pas, ça marche pas. Fais chier! Ça. Rigouli. Il te troll, TK? Bah non. Comment tu veux qu'il me troll, mec? Il a même pas trouvé sa cachette. Merci beaucoup, TheMan67 pour 90 centimes. Salut, TK, tu peux faire une dédicace à Maxime, Baleu, Djibril, Zoher et dire allez! Allez, Zoher! Allez, Djibril et Maxime Bayeux. Une grosse dédicace à vous, les reilles. Merci beaucoup, Jigame, pour les 5,49€. Merci beaucoup. Ah, je vois pas. Je le vois pas, moi. Viens nous prendre dans les bras et nous faire un câlin de papa, papa, papa. Papa, ours, papa, ours, papa, ours, papa, ours, papa, ours. Ma musique préférée, celle-là. Celle-là, faut... ouais, la vie de même, il faut vraiment que je la télécharge. Je la mettre en... Viens vers Retail Row. C'est où, ça? Retail? Ah, c'est bon, je vois c'est où. Mais attends, mais... Le bouseux, t'es vraiment pas sérieux comme mec, hein. Pourquoi? Mais attends, tu m'as fait venir là pour au final me ramener là-bas, là? Ouais, mais si je suis caché là-bas, vers là-bas. D'accord. Là, ça veut dire que je peux venir te chercher, là. Merci, désolé, merci, Paul. Merci à toi. Hein? Quoi? Là, ça veut dire que je peux venir te chercher, hein. Ouais, viens. Retail Row. Je vais faire apparaître, putain, t'es con quoi? Ah oui, le con, putain! Non mais je suis vraiment un déchet, hein. Je vais faire réapparaître. C'est bon? Ah, c'est bon, c'est bon. TK, tu sais qu'une imprimante crie si tu la jettes, si t'as jeté à la mer? Quoi? TK, tu sais... Tu sais qu'une imprimante crie si tu la jettes à la mer? J'ai... papier... Le bouseux, il est meilleur que toi... Mais toi, t'es plus sexy. J'ai pas compris ta blague, la machine à écrire, là. Non, tu sais qu'une imprimante crie si tu la jettes à la mer? J'ai... papier... j'ai rien compris. Le bouseux, t'as compris, toi? Non. On n'a pas compris, mec. Et là, tu vois, tu peux pas me dire que je suis un débile. Même le bouseux, il a pas compris. Et bim! Je suis à Retail Row, là. Regarde, écoute. Est-ce que t'as entendu? Hein? Ouais, j'ai entendu, ouais, ouais. Ok, alors qu'est-ce que je fais, là? Ah mais t'es là? Non, ouais. Tu me vois là? Bah oui, je te vois. Ok, bah ça n'a pas marché. Non mais tu pars. Vas-y, repars-toi, va à Pleasant encore. Mais attends, mais tu me fais quoi le bouseux? Le mec il est même pas foutu de se cacher, ce droit halouf. Putain. Non mais t'es mal mec, il est même pas foutu de se cacher. Qu'est-ce qui t'arrive le bouseux, ça va? Si, ça va, ça va, ça va. Dis-moi, regarde, juste dis-moi, qu'est-ce que t'essayes de faire? Ça se trouve, je peux t'aider, moi. Non, 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 tu sais pas. Mais qu'est-ce que t'en sais?
Ah ouais, mais putain, je l'ai bien détruit le truc. Je comprends rien, moi, ce qu'il veut faire, le mec. La vie de ma mère, je comprends plus rien. Enfin bref, peu importe. Quand t'es à Pleasant. Ouais non mais je suis parti loin là, je suis le bouseux, je suis loin, la vie de ma mère, le bouseux, je suis à Dusty Divo là. C'est bon Dusty Divo? T'inquiète pas, je regarde pas de ton côté. Non, c'est à Pleasant. C'est à Pleasant. D'accord. Réapparaître. Mais qu'est-ce qui me prépare là? Putain, tu me mijotes quelque chose de bizarre toi. Voilà, là j'ai bien dépassé. Bon, mais en fait, je sais pas ce qu'il essaye de faire, je sais pas. Le mec, il me dit qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce que j'en sais moi. Il veut même pas me le dire à moi. Ah, vraiment un sac à merde, ce mec là. Mais j'ai un chat qui dit de la merde, qu'est-ce que tu dis? Tu leur demandes quoi au chat? Faut pas que j'écoute le chat. Je sais très bien, faut pas que j'écoute le chat. Je l'écoute parce que je suis un putain de trou de balle. Merci Jules du sub. Allez go. Riguli Iggy. Merde. T'es où là? Attends, je te tiens. Je suis bientôt arrivé à Pleasant Park. Là, j'y suis, c'est bien. Fais une dédicace à Yassine Alami. Une grosse dédicace à Yassine Alami, hey. Merci beaucoup, Amir, pour les... Je suis arrivé à Pleasant Park, ça y est. J'y suis, la vie de ma mère, j'y suis. Tu crois que je vais te mentir ou quoi? Pas mentir pour si peu. Oh putain, tu nous as vraiment fait rigoler les petits biens, mon libier grillé. T'as vraiment un mongol. Y'a des gens qui voudraient m'avoir comme papa ici? Hein, les abonnés? Le chat dit de la merde, les gars. Vous vous rendez pas compte, mais le chat dit de la merde. Mais qu'est-ce qu'ils disent, ton chat? Ah. Y'en a, ils croient que le chat a raison des fois, du coup, parce qu'ils sont tous à le dire, mais c'est. Y'en a un qui le dit, du coup, l'autre va le dire, et au final. Bah voilà. Ils disent quoi? Rigouli. Oui moi. Ah oui c'est dur. C'est bon. Oh putain, merci. Tu me donnes le signal quand c'est bon le bouseux. Je sais pas ce que tu me prépares, mec, mais j'espère ce que tu mijotes, c'est bon, hein. Vas-y, viens, faire Ritero. Ah, c'est bon, Mazel Tov. T'es où? Ritero. D'accord. Tu me mens pas le bouseux. Non. D'accord. Comment ça me donner des indices? T'es caché dans une maison? Hein? Ouais, dans une maison. D'accord. Vas-y le bouseux, s'il te plaît, répète après moi.
Eh, le bouseux, quand tu vas voir ton propriétaire là, tu vas bien habillé au jogging ou tu vas comment? Je vais comme je veux. Ah. D'accord, ça veut dire demain si je fais la visite, etc., je peux venir en short. Ouais. D'accord. Ah, pom. Vas-y, je vais réapparaître, non? Qu'est-ce que tu fais? Non, je prends vraiment de la hauteur. C'est bon, j'arrive. J'arrive à Retail Row. Alors, TK, quelle mamie fait peur aux voleurs? Réponse, mamie traillette. T'as pas compris, mec. Ah, il a pas compris, cet abruti. T'as compris, toi? Bah oui. Vas-y, c'est quoi la blague? T'as pas compris? Vas-y, attends, je te la répète. TK, quelle mamie fait peur à un voleur? Mamie traillette. Mille le rapport. Vas-y, Gigi, le bouseux, Gigi. Bouseux! Bah, la mamie, ma mitraillette, mamie. Il y a mamie dedans et il y a mitraillette, genre. La mitraillette, l'arme. Donc ça fait peur. C'est bon, j'ai compris. T'es un retail là? Ouais, j'arrive. Là, je suis arrivé. Là, je suis dans les airs. Ah, pom. Retail row, on est d'accord, hein? Tu vois rien, là t'as vu ce retail row là? De quoi? Qu'est-ce qu'il y a à retail? Ah, faut être dans la même. De quoi? Là je suis arrivé. Est-ce que t'entends? Ah ouais, non, c'est pas marché. Hein? On n'a pas marché, je te dis! Tu vas me voir là. Ah, t'es où? Et t'essaies de faire quoi là? Tu me dis que tu vas me voir. Respawn, fais réapparaître et... Non mais tu vas! Mais je t'ai même pas vu! Je suis en face de toi. Mais je te vois pas, la vie de ma mère! Hein? Je te vois pas! Là. Tu me vois pas? Bah non, sur la tête de ma mère! Wallah que je te vois pas! Tu me vois pas? Sur la tombe de mon... Là, derrière toi là. J'entends les bruits de pas, mais je t'entends pas, je te vois pas. Hein? J'entends les bruits de pas, mais je te vois pas, le bouseux, t'es con quoi? Putain, non, mais par contre, le bouseux, tu me dis de pas tirer dessus, je te vois même pas, frère. Fais réapparaître et va dans l'équipe. Équipe 2. Ah, changer d'équipe, équipe. Non, d'accord. Vas-y, équipe 2, vas-y. Changer d'équipe, équipe 2, appliquer. Voilà. Merci beaucoup Nemesis pour les 29 rubes. Merci beaucoup Gabriel Lapin. Ah là je te vois, là je vois un profil, c'est marqué le bouseux, mais attends. Invisible. Bah attends. Ouais, je te vois même pas. Y'a le profil qui est marqué mais je te vois pas. Ah ouais, ok, je vois pourquoi. Attends, je quitte la partie, je reviens, ok. Mais tu... T'as quitté la game? Oh merde, j'ai quitté. Vas-y, relance. Oh merde. Ok, je crois que j'ai compris. Mais qu'est-ce qu'il me fait, là? Eh, dis-moi pas que t'es en train de tricher, le bouseux, là. Ok, je crois que j'ai compris pourquoi. Ok. Vas-y, prêt, là. Oh, perds pas de temps, déjà, j'ai perdu une demi-heure, là. Bah attends, tu crois que c'est de ma faute ou quoi là? C'est de ma faute. Oh, attends, je suis trop con, putain. Regarde mon popotin. On a deux pour le prix d'un. T'as vu comment il est pas mal, c'est le cheval, mon popotin. Allez. Je savais pas que j'étais invisible, mais vas-y. Va à Retail Row. Retail Row, d'accord. Tu veux que j'aille là-bas? Bah, non, mais toi. On est pas dans la même... On est dans la même équipe, hein, je crois. Ouais, vas-y, c'est bien. Tant pis. Tu regarderas pas ta map, ok?
Vas-y, enfin, tu veux pas que je regarde la map, c'est ça? Ouais. Bah ouais, tu veux que je baisse la tête? Ouais. Mais pendant combien de temps le bouseux? Là, faut juste que je retrouve un truc. C'est bizarre parce que tu me ramènes à des endroits stratégiques. Des endroits stratégiques? Mais ouais, mais tu sais que je suis pas ton chien, espèce d'enculé de ta race. Mec, il me donne des ordres. Là, tu sais quoi, gars, là je te vois, t'as grisé groove, espèce d'enculé, va. Mais vas-y, comme je t'aime bien, vas-y, je vais pécer la tête, là, putain. La putain de ta race. Mais ouais, mais t'es chiant. Oh yes. C'est moi qui fais toujours le travail d'arabe, là. Bon, vas-y, je baisse la tête, je regarde plus, putain, tu sais quoi, je regarde le chat un peu. Putain. Ah là 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 là. TK, attentat à Paris, gilet jaune. Non, mais les gars, me dites pas ça, putain, les gars, non. Ok. Fifi, le temps, Diablo. Waouh, 50 euros, merci beaucoup, mec. Mais t'es complètement taré de me donner 50 euros. Mec, continue, je te trouve méga drôle. Et dis aussi au bouseux qu'il est vraiment le pire des potes. S'il voit ce que je veux dire. Merci beaucoup, Fifi, le temps, Diablo. Tu connais le bouseux? Hein, ouais. Le bouseux, tu connais? Non. Bon, ok. Bon, en tout cas, il dit que t'es drôle. Bah, merci infiniment. Hein. Qu'est-ce qui se passe, le bouseux? Mais je peux plus... Mais c'est quoi, ce jeu? Mais attends, mais t'es en train de me crier dessus, là? Allô? Il me crie dessus, là, mais il est complètement taré! Et okay. Dès que je relance une game... Là, c'est la structure. Ouais, c'est méga chelou. Ok, TK. C'est bientôt bon, ok? Vas-y, ok. Reste à Ritero, hein. J'ai pas bougé. Mais on est dans la même équipe, là. Voilà, c'est bon. Viens, Grizzly Groove. Vas-y, ok, j'arrive. Réapparaître. Attends, à réapparaître. Ouais, mais attends, mais je vois ton blaze. Pas grave, c'est pas grave. Change d'équipe ou pas? Non, non, ça va, viens. D'accord. J'arrive. Fais F4, construire plus... Non, ça va me faire quitter la gamme. Tamara, merci beaucoup pour 1€. Salut TK, avec... Comment je voudrais t'avoir, papa, hihi. Avec mes 50 000 euros, tu voudrais m'avoir comme papa. Oui, tu nous as vraiment fait rigoler hier. Et en fait, qu'est-ce que je dois faire? Je dois te trouver là? Ouais. Réapparaître. Voilà. Et c'est facile, Bouzou, je vais te trouver là. Voilà. Bah, y a marqué ton blaze. Mais attends, je t'ai pas encore trouvé, mais de loin je le vois. C'est Damine du sub. C'est toi, Damine. C'est Damine. C'est bon, j'arrive. Ah, ça, voilà. Ça n'a pas marché. Mais je te vois, ouais. Mais ah, s'il te plaît, le bouseux, regarde, je suis ton ami, dis-moi qu'est-ce que tu veux faire. Mec, j'ai perdu 1 heure de mon temps à cause de ce glitch de merde, fils de pute. Ça me rend ouf, ça. Y'a personne qui... J'ai loupé un épisode ou quoi, là? Qu'est-ce qui se passe, là? Non mais je te jure. J'ai essayé de faire un glitch pour devenir géant et ça n'a pas marché. Géant? Ouais. Bah vas-y, nique ta race, j'ai pas envie de tricher moi. Non, vas-y. T'as depuis tout à l'heure tu me fais attendre pour ça? Mais t'as vraiment pas honte, espèce d'enculé, va. Tu sais quoi, gars, je vais te niquer la game pour la peine. C'est quoi là? Bah je suis là. Je suis ici là. Putain.
Ah les gars, bah je suis désolé, je vous ai fait perdre votre temps. Voilà, aussi, voilà, peur. Voilà, vas-y. Vous allez pas l'insulter, c'est moi qui m'en prends. C'est moi qui vais en prendre plein la gueule. Tu vas bégayer comme ça aussi devant le propriétaire, gros fils de pute. Ah le bâtard, va. Putain, il m'a volé sa figoule. Kiki. Eh les gars, y'a pas quelqu'un qui pourrait me faire dans l'espace commentaire. Eggy. S'il vous plaît, avec un petit biberon à côté. S'il vous plaît, ça serait le total kiff. Là on marquait Eggy avec un petit biberon. Ou un émoticône de bébé. Bon bah les gars, je sais pas quoi faire hein. Ah ouais, regarde, même son glitch il sait même pas le faire ce gros hellof. Allez vas-y, barre-toi, chat, bien fait pour ta gueule. Fortnite, si vous écoutez ce message, vous avez entendu ce qu'il veut faire le bouseux? Je connais que celui-là. Tu ris. ça va aller dans l'espace commentaire. Oh putain. Merci Elliot du sub, je sais pas quoi faire. J'ai dégoûté. Ah, je suis dégoûté. Invisible, mais non. Vas-y, va te cacher, vas-y, va te cacher au pire. Cela m'a fou. Qu'est-ce que je fais au final, le bouseux? Il prend l'avion, il fait comment quand ah, il prend deux places pour prendre l'avion, TK. T'as récupéré ta carte bancaire ou quoi, là? Non, je l'ai pas reçu. Bah non, parce qu'il y a eu du retard par rapport au gilet jaune et tout ça de ça, là. Allô? Ouais, ok. Ouais. Je crois. Bah oui, je suis parti me renseigner quand même. Tomato, je connais pas. Même mon colis, je l'ai pas reçu pour te dire. J'ai rien reçu. Ah, j'ai le ventre qui gargouille. Merci Matt du sub. Ouah, il a gargouillé comme s'il y avait un alien qui voulait sortir dedans là. Le bouseux, je change d'équipe ou pas? Qu'est-ce que je fais? Ouais, change d'équipe. Va te cacher. C'est moi qui dois me cacher? Ouais. Ah, c'est moi? D'accord. Eh, t'es sûr, hein? Hein? Ah ouais, c'est moi. Bon. Le bouseau, on est d'accord, c'est moi qui me cache? Ouais. Ok. Très bien. Donc, je vais me trouver un endroit. Et puis, on se bandit. Evanou, je fais pas de pub, désolé, Rey. Mof 78 aussi, je fais pas de pub. Big Mac, je fais pas de pub aussi. Là, vous avez trois. Oula, j'ai l'impression que vous êtes copains tous les trois là. Ou alors là, mon gars, si tu me trouves. Ouais, c'est bon, je suis caché. Ouais, mec, je suis caché. Je suis caché, le bouseux. C'est bon? Ouais. T'es caché vers où? Hein? Hein? T'es caché où? Je suis Snobishore. Je te mens pas. Hein. Tu mens pas? Je t'ai dit, je te mens pas. Ok. Dieu le bouseux d'arrêter d'engueuler notre papa ours parce que ça va mal aller. Bisous papa. Ah merci beaucoup Ayoub. T'as entendu ce qu'il a dit mon abonné? Non. Voilà, il t'a dit d'arrêter de m'engueuler. Et que tu me dis. D'accord, j'arrête. Voilà, merci beaucoup Ayoub. Oh putain, vraiment c'était trop drôle. Bam 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 bam. Baila, baila, gingingo. Baila, morena.
Merci tuture du sub, merci à toi tuture. Y a qu'un arbre comme ça, Snoopy, c'est de sûr que t'étais dans un arbre. Parce que, en fait, toi, tu te prends trop pour Tarzan parce que tu sais que t'es gros et que dans la vraie vie, tu pourrais pas le faire. Sale bâtard, va. Putain, le bouseux, mec, je te jure. Non, mais arrête, pourquoi tu me fais ça? Tu vois, je me suis tenu à carreau, moi. Le bouseux, arrête, s'il te plaît. Putain. Mais le bouseux. Putain, t'as des soucis ou quoi? Vas-y, à ton tour. Va te cacher, là. Pourquoi tu vas pas te cacher, le bouseux? Vas-y, j'y vais. Ah là 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 là. Putain, quel enfoiré. Non mais le bouseux. Putain, mais t'es vraiment... Eh, hey, mais... Eh, hey, hey, t'as voulu me la mettre. Mais c'est toi qui provoque, enculé. Putain, fous-moi la paix. Putain, je te manque à ce point, espèce d'enculé ou quoi, là? Tiens, non mais je te manque à ce point ou pas? Dis-moi. Ouais. Merci à Zoc du sub. What? What? C'est quoi ça? Et des coffres qui sont accrochés au mur? Le bouseux? Ah ouais? Ouais ouais, je te jure, non, no joke, je te jure. Ouais, c'est la première fois que je vois ça. C'est la première fois que je vois des coffres collés en forme d'étoiles d'araignée. Eh les gars, vous avez déjà vu ça vous? Ouais, ce que je fais les gars. En vrai, de cache-cache, on a déjà fait le tour, enfin. Ces deux arabes à la pompe à essence, un arabe fait tomber de l'essence sur son pantalon, l'autre arabe dit « C'est pas grave, ça fera un jean diesel. » Ah oui, 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 le diesel, bah oui, le carburant. Ah là, j'ai compris, là, mec. Là, j'ai... Ouais, oui, là, j'ai compris, là. Ah là là là, là là là, j'ai très bien compris. Ouais, tout, ouais, mais les gars, non, je vais faire ça après parce que. Je peux pas. Je peux pas parce qu'il faut que je regarde la vidéo et le temps, et puis ça va pas marcher et tout, on va perdre encore du temps. Oui, parce que c'est Halloween abruti. Ah, d'accord. Merci beaucoup, Ayoub, encore pour les 5,49€. Bah, tu m'as lâché exactement le même message. Wow. Hein? Celui-là? Je sais pas, les gars. Pas de soucis, c'est que... Bon, c'est pas grave. Bon, bref, clac, 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 ça c'est fait. C'est simple. Je prends ça aussi. Va pas trop loin le bouseux stoppé non plus. Hein. Histoire que je mette pas une plombe. Hein. Ouais, je sais. Mais oui. Ouais, ok. Salut TK, ça va très bien. On a tout. Tu t'en sers toujours de l'iPad Pro? Ah ouais, pourquoi? Pas toi? Non, comme ça. Ah, le bouseux? T'en sers toi? De quoi? Bah non, mais je l'ai pas encore reçu, tête de fion, va. Bah tu devais le recevoir hier. Mais ouais, mais je peux pas. Je suis parti dans le truc, t'as l'écolissimo là. Ils me disent, et il y a un message jaune, ils disent, ouais, avec la manifestation, votre colis il aura un peu de retard.
Et là, ils me disent que la destination, c'est pour demain. Enfin, je reçois le colis demain. Madalena, Madalena, écrivez une chiquette pour toi. Quand ta mère va danser la macarena, Elena. Non, je sais pas. Non, les gars, je peux pas. Je suis désolé, j'aurais dû prévoir ça avant. Ma faute. Mais je pense que c'est à cause de mon skin que je peux pas. Vas-y, quitte la partie, TK, viens, quitte. Et on va le refaire, mais là, on va réussir. C'est à cause du skin. Mais là, vas-y, au moins t'es au courant, je vais être géant, tu vas voir, normalement. Vas-y, viens. Alors, on va prendre un skin que lui, il avait déjà pris. J'ai vu lequel, j'ai vu celui-là, là. Ça se trouve, c'est aussi de ma faute, tu sais quoi, je vais enlever 7 montgolfières. Je vais mettre un truc plus petit. Bien. Et voilà, je vais mettre ça, c'est plus maigre. Elle, bah, elle est mince. Pom 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 pom. Et je prends le basique au pire. Ah, Galaxy, c'est sûr. C'est bon, on se met prêt? J'arrive. Bah, j'ai mis prêt. Donc, hein. Victor, tu nous as vraiment fait rigoler avec nos petits pieds bien pour Lady. Attention, c'est parti. Aide-moi à trouver une tourelle. Vas-y, ok. Vas-y. Dès que j'en ai une, je te la donne. Le bouseux, attends. Non, ça, moi. Ça t'arrive des fois de le faire à ta grand-mère, ça. Tu vois, discrètement, mais tu sais, des fois, sans même faire gaffe, de dire. Allez, ça va. Non ? Bah oui. Et je le dis au moins 100 fois par jour, ça. Et elle te dit quoi ? Rigole. Ah oui, mais non, tu peux pas, parce que toi, faut qu'on soit à l'opposé, c'est vrai, faut qu'on soit loin de nous deux encore. Ça, c'est relou, ça. Merci, Hugo, du sub. Merci à toi, mec. Merci à toi, Hugo. Allez, va, Ritero, là. Allez, ok. Change d'équipe, hein. Non, change pas d'équipe. Non, change pas, d'accord. Salut TK, j'ai une blague. Pourquoi le lapin est bleu? Parce qu'on l'a peint. Bah ouais, mec, c'est logique. Pourquoi le lapin il est bleu? Parce que vous l'avez peint. Va encore plus loin, Critéro, va au gitan. Bah, ou terrain de cross, comme tu veux. Toi, tu m'as pris vraiment pour ta grosse pute ce soir, hein. Mais putain, je te jure, sur Ritano... Hey, le glitch, y'a que toi qui peux le voir, moi je peux pas le voir. Tu vas voir, tu vas être impressionné. Putain. Eh, ça aurait été un autre streamer, là, putain. Il t'aurait dit bye bye, adios amigos, muchachos gracios. C'est parce que t'es mon copain. Non. Le bosu, je peux te poser une question? Sincèrement, non mais, là, no joke par non, contre, non, je veux pas que tu sois mon papa. Non, vraiment, non, c'est même pas ça. Imagine un de ces quatre, je trouve l'amour de ma vie, et tu me vois installé avec elle dans mon propre appartement. Tu serais content pour moi ou pas? Bah oui. Ah, j'ai une tourelle. Ouais, je serais pas content. Non, comme ça. Ouais, je serais pas content. Mais comme ça, merde. Oh, c'est le bouseux sur la tête de ma mère, je te mens pas. Tu sais ce qui s'est passé à 3h du matin, chez WAM? Enfin, je sais... par contre, je sais pas, c'est ce au-dessus, sur le côté. Le mec, il a démonté sa meuf hier. Ah ouais? Mais sur... Non, wallah, il a... Mais il l'a démonté. Tiens, t'as des gens qui... Des fois, j'entends faire les gens faire l'amour, tu vois. Soit des... Attends, des fois, pas... t'entends faire les gens faire l'amour chez toi, là? Mais non, ouais, les voisins ou du dessus, du bas, je sais pas, parce que tu vois, j'ai... Si ça, moi, du sub, merci. Mais celui d'hier, il a dû la démonter. Mais au début, c'est elle qui criait, mais ensuite, c'est lui que j'ai entendu crier. Attends, lui, il crie aussi? La vie de ma mère, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré à peu près 2 minutes. Mais 2 minutes, mais ils étaient longs. Ah ouais? Ah, la tête de ma mère, oula. Hier, il l'a démonté, sa race. Et cette meuf-là, là, au début, quand tu l'entends crier... Limite, t'as l'impression qu'elle se faisait frapper. Mais non, je sais pas si elle jouissait, je sais pas ce qu'elle faisait. Mais il l'a démonté, hein. Et à la fin, j'entends quoi dès qu'ils ont fini? Ah! Ah! Le mec, ouais, t'entendais carrément ça, mais attends, mais c'est des murs en papier chez toi ou quoi? Non, mais le mec, la vie de ma mère, oula! Il a fait ah! Et t'as quoi, il a fait la fête, t'entends? Ah! Ich!
Bon, qu'il est fini, ok. Moi, je sais pas, quand j'éjacule, je fais pas. Ah oh. Mais non, frère, je sais pas, un peu de retenue, frère. Non. Ouais, c'est vrai que. Plus que toi, elle est israélienne. Non, moi, la tête d'homme avec Israël, moi, t'es ouf. Moi, je suis. Moi, je suis un silencieux, moi, la tête de ma mère. Moi, tu m'entends pas, de toute façon, quand je fais. Eh, quand je fais l'amour à une meuf, je lui bouffe l'oreille, je lui lèche l'oreille. Ah ouais. Ouais. C'est bon. Merde. Viens, Grizzly Groove. C'est sûr, hein. Vas-y, attends, j'arrive. Maintenant. Fais des respawns. S'il te plaît. Pour hein du temps. Fais que hein réapparaître. Oh, j'ai oublié ça. Mais y'a rien de drôle, les mecs, hein. C'est dégueulasse de lâcher une oreille. Quoi? Bah dis à une meuf, dis à une meuf qu'elle te lâche l'oreille, tu vas voir l'effet que ça te fait. Vous êtes, je peux pas leur expliquer parce que je me fais paraître pour un crève la dalle là. Bouzeux. Bah TK en fait c'est un être humain à part qui se reproduit souvent dans un climat assez froid. Non mais le bouzeux, vas-y dis-leur wesh que l'oreille ça fait effet wesh. Bouzeux wesh, tu me fais paraître passer pour un bâtard, vas-y s'il te plaît. Mais ouais ça fait effet mais ça t'excite pas, ça. Ça donne des frissons mec. Je vois ton blaze, j'arrive là. Je vois juste mon blaze. Attends mais je suis loin encore, mais je le vois de loin. Possible, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Ça marche pas ces fucking bugs. Ça marche avec les autres, pas avec moi quoi. Apparaître, dernière fois. T'as un chien de la casse, t'es cassé, pas possible. Wow! What the fuck? What the fuck? C'est quoi ça? Ton personnage, il est géant, mec! Ah ouais? What? What? Ah non, bouge plus, bouge plus! What? What? Mais what? What the... Non, t'es où? Oh, t'es là! Mais what the fuck? Le bouseux bouge pas! Oh putain! Oh la putain de sa mère! Oh mais what? Oh, non, 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 bouge pas là! Mais what? Mais what? Dis-moi si je grandis. Ah mais non, c'est trop tard, de toute façon, là, t'es trop près. C'est énorme! Attends, je peux te faire une vidéo pour la montrer à Fortnite? Vas-y. Non, 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 on sait jamais. Mais toi, vue sur moi. Comment je fais? Bah, regarde-moi. Mais j'ai une vue sur toi. Ok, nickel. J'ai une belle vue, t'inquiète pas. Hein. Oh! Oh là 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 là. Attends, je vais grimper un peu plus. Je peux grimper? Vas-y. Oh, t'es juste en face de moi là. Tu vois, je connaissais pas, mais et putain, il a été découvert quand? Waouh. Eh, il doit avoir une de ses grosses bites énormes, ce bâtard. Oh là 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 là. C'est stylé ou pas? Mais attends. Attends, je monte encore un peu plus. Eh, mais c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Attends, je peux descendre en bas? Vas-y. Juste à tes pieds? Vas-y. Oh, je suis près de toi, le bouseux, là. Eh, je suis tout près de toi, mec. Avance un peu. Oh, oh,
Vas-y, 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 je te suis. Attends, vas-y, vas-y. Attends, non, attends, vas-y, vas-y. Marche, vas-y. Attends. C'est stylé ou pas? Oh, attends, là j'ai une belle vue, attends. Ah, tu vois là, pour moi, j'ai vu sur l'Arc de Triomphe là. Allons les enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Entre nous c'est la tyrannie, les enfants sont déjà levés. Les enfants sont déjà levés. Entendez-nous. Tu me vois danser? Non, je t'entends pas, non, je te vois pas danser, non. Tu me vois pas danser? Ah, c'est un mec du sub. Putain, mais c'est énorme. Attends, attends, attends. Oh! Oh! Waouh! Ouais, il a sorti le gros DJ, mec! Oh putain, what the fuck, attends! C'est l'histoire du papa ours qui sent l'autoradio du grand. Oh oh! Just. Viens nous faire un freestyle dans notre chambre. Oh là là, le bouse. Oh, oh, waouh. Il l'a fait là. Eh hey, mais mec, il l'a fait. What the fuck. Il a fait quoi? Regarde, il fait le DJ là. Oh. Ah ouais. Ah ouais, ça fait un décalé. Non, oh, oh. Non, c'est horrible. Eh, hey, je te jure, eh, hey, hey, le bouseux, je te jure que c'est énorme. Une grosse dédicace à toi, mec. Mais à Daryl, merci beaucoup, Ray. Putain. Mais c'est magique. T'as pas d'autres danses? Hein? 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 Quoi? T'as pas d'autres danses? Non. Celle-là? Attends. Attends, parce qu'il y a un décalage. Mais c'est un truc de ouf. Oh! Wouah! Oh là, gars, c'était le bug, hein. C'était le bug. À la mode. Mais c'est vraiment génial. Wow. What? T'es parti où là? Merde! Non! Oh ouf! Oh, je suis chaud! Oh le bâtard! Oh le bâtard! T'as failli me baiser la gueule. Bon, en tout cas, GG. En tout cas les gars, j'espère que ça vous a plu ce nouveau glitch qui nous a fait montrer le bouseux. N'oubliez pas de le faire savoir avec un petit pouce bleu les gars, ça nous ferait énormément plaisir, merci infiniment. Non mais le bouseux, non mais ta mère quoi un peu, non mais le bouseux. Non mais je te manque à ce point sale ba... Attends, je m'en bats les couilles. Eh hey, mais le bouseux, eh hey, mais ta mère, hey, ta mère la prostituée. Allez hop, allez j'ai pas le choix. Merde, non, non, non! J'ai juste trompé de grenade! Putain! Non, mais le bouseux, mais attends, mais je te manque à ce point, sale bâtard! Non, mais le bouseux. Le bouseux. Allez, je m'en fous, en bas. Allez, hop. Wesh. Mais le bouseux! Allez, je m'en bats les couilles, la vie de ma mère, je vais détruire tous les murs, là-bas. Non mais, eh, vas-y, c'est quoi? Eh, le bouseux nique ta mère! Putain, mais, eh, mais t'es un de ces gamins! Attends, 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 eh, la vie de ma mère! Vas-y, le bouseux, frère, t'as quel âge? Putain! Putain, mais t'es un de ces gamins! On l'a, tu sais quoi? On dirait un enfant que... Voilà. Eh putain, mais... Eh, mais bouseux... Non, mais tu sais quoi, eh. En plus, tu me vois pas, si. Mais non, je te vois pas, connard, va. Vas-y, le bouseux, la vie de ma mère, t'es un enfant, mec. T'es un... Eh, oula, t'es un enfant. Regarde, on... Ah, oui. Yes. Allez, hop. Bon, allez.
Attends, je vais faire du quad avec le glitch géant. Tu me vois là? What? What? Attends, attends, attends! Attends! Bouge pas! Vas-y, attends, attends, vas-y, vas-y! Attends! C'est quoi ça? Va pas trop vite, va pas trop vite, le bouseux! Va pas trop vite! Va pas trop vite, attends! Wow. Oh, j'ai failli atterrir sur ton cul. Eh hey, mais c'est un truc de ouf, regardez les mecs. Je peux vous montrer les gars, allez sur son live. De quoi, ils peuvent pas voir quoi? Parce que moi je suis pas géant moi. Mais si t'es géant le bouseux là, la vie de ma mère. Ouais mais moi sur mon écran je suis pas géant. Ah merde. Wow. Vas-y non, mais roule, va ailleurs, va ailleurs. Monte avec moi. Attends, vas-y. Ouah, je vois ton gros cul. La vie de ma mère, je vois ton gros cul, le bouseux. Ouah, la vie de ma mère. Et on voit ta grosse tub, mon gars, attends. What the f... Oh là là. Eh, mais c'est un truc de malade, hein. Oh, parfait, celui-là. Et t'es beau, celui-là. Vas-y, 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 on bouge, on bouge. Bien vu, bien vu. On stop, c'est bon? Vas-y, attends, 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 je regarde une dernière fois. Ah, dommage, putain. Bien, wesh. Ouais. Franchement, c'était insane, ton truc. C'était insane. Yes, bien, wesh. Ouais. Wouh. Bon, du coup, c'est parti pour du duo, le bouseux, ou tu vas arrêter? Ouais, un petit top 1. Allez, vas-y, un petit top 1. Ah, ça fait déjà 1h17 qu'on est en live. Je te jure, j'ai même pas vu le time passer, la vie de ma mère. J'ai vraiment pas vu le time passer. Oh putain, il nous a fait rigoler. Bon, en tout cas, c'est agréable. C'est agréable. Ah, tu m'es prêt ou quoi? Ah oui, merde, excuse-moi. C'est parti. Duo Zombie. Non, franchement, c'est cool. Monte sur lui. Comment ça, je monte sur lui? Non, à mon avis, j'aurais pas pu. Malo FR, merci beaucoup pour les 1€. Merci beaucoup, Ray. Magalé, Malélena, quand tu vas te faire pour moi. Malalena, Lena. Analmena. Le retour de la mitrailleuse. De quelle mitrailleuse? Hein? Quelle mitrailleuse? J'ai pas compris. Je sais pas. Allez, les abonnés, tous derrière Greasy Groove. Les gars, tous derrière Greasy Groove, je vous ai prévenu. Ah, tu veux qu'il y ait les abonnés qui viennent avec nous? Ouais. Ils sont mignons. C'est des petits mais enfants, c'est des petits... Je les vois bien avec une petite compote de pommes, là, actuellement, là. Vas-y. À la petite maison en briques, là, à côté de Greasy Groove. Bah, tout derrière, tout derrière. En dessous. Tu veux pas qu'on se forme, je sais pas. Il y a le glitch, on a fini. Mais non, mais laisse-le, mais c'est pas grave. La mitrailleuse. Ah ouais. J'avais oublié. De quoi la mitrailleuse? Le retour d'une mitrailleuse. De quoi la mitrailleuse? Mon skin, c'est la mitrailleuse. Manama la manela.
Non, non, non. Putain, je commence à avoir faim là. Mais vraiment. Mais je suis pas sûr qu'il y ait des abonnés là. Hein. Je sais pas. Vas-y, moi je prends cette baraque là, vite fait, Bouzou. Va pas trop loin, Bouzou. Dès que tu vois un abonné qui danse, tu le tues pas. Parce que t'es trop bas, gros fils de pute. Hein? Il a dit quoi le Bouzou là? T'es trop bas, tu pouvais pas aller là-bas, c'est pour ça. Mais non. Yes. Ouah, je trouve beaucoup de pièges là. Ok, y a du monde qui spawn. Yes. Bah écoute, je suis bien. T'as des abonnés, t'as vu des abonnés ou pas? Non. Non. RIP Macron. Oh. Y'a du monde? Ouais, ouais. Sur toi? Attends, merde, j'arrive. Ils te tirent dessus ou c'est des abonnés? Non. Ils sont où? Ah, ok, je vois. Là, il a mangé une tête. Pas grave. Moi, je suis juste en bas. Je suis juste en bas. Je suis en train dans la maison. Il a plus de vie. L'autre aussi, il a plus beaucoup de vie, hein. Ouais, je suis mort, j'ai fait le con. Ouais, j'ai fait le con parce qu'il y en avait lui qui était là, j'aurais... Mais en plus, je pouvais largement les tuer. Ouais, j'ai pas assez de construit. Je voudrais, je suis un mec qui a un de vie. Putain, il a un de vie, quoi. 61, 62 plus 31. Non, il a 7, 6, 7 de vie. Et le mec arrive derrière, je peux rien faire. Vas-y, mais prêt, là, dépêche-toi. Fais chier. C'est qui cette fille-là, là? Louison le BG, merci du sub, Louison le BG. Ouais, ouais. J'ai le proprio qui m'a dit que je vais pas tarder à vous appeler. Ça va être une catastrophe, hein. De quoi? Parce qu'il va me parler. Parce que par rapport à ce qui s'est passé tout à l'heure. On bouge, on va où? On va à Saint-Grézy Groove ou on bouge? Motocross? Vas-y, Grézy Groove encore. Tu vois, t'aimes bien Grézy... C'est ouf, hein. Cet endroit-là, je sais pas pourquoi on aime cet endroit-là, ce point-là. Là. Qu'est-ce qui fait que t'aimes cet endroit-là, là, le Bouzeux? Non, je sais pas, parce que ça fait longtemps, hein. Très longtemps que j'y vais. Je sais pas pourquoi je vais là. Mais... Putain, personne m'a vu, alléluia. Y'avait pas un lama là? Non, j'ai rien dit, excuse-moi. J'arrive, le Bouzeux, j'arrive. Essaye de tempo. Les deux sont morts. C'est quoi mon shoot de mort là? Je l'ai tué deux. Wouah, ce shoot! Peut-être prendre ça quand même. J'arrive, le Bouzeux. Franchement, je suis super content de moi.
Le mec, c'était bien organisé, cette bâtard. Lame Breton. J'ai eu chaud. Allez, hop là. C'est parfait. M-Bot, arrêtez de me dire M-Bot, bordel. C'est vous les M-Bot. Merci Lil Wolf du sub. Merci à toi, bienvenue. Lil Wolf. Oh yes. Une Scar. Oh là là. Ça c'est beau ça, tu vois. Ça c'est de la chance. Ah, j'ai oublié un coffre, ouais. T'auras combien de chambres dans ton futur appartement? 2. C'est vrai? Ouais, toi aussi? Une pièce pour dormir et une pièce pour le gaming? Ouais. Ça, c'est cool. Toi aussi? Non, une chambre. C'est pareil. 70 mètres carrés, t'as qu'une chambre? Ouais. Mais j'ai un grand salon, par contre. Ah ouais, t'as un grand salon. Ouais. Dino, tu peux te dire à le bouseux de me faire une dédie? Bah, le bouseux... Dédicace, Dino. Ouais, une grosse dédicace à toi, Kai. Ah, mais faut ça sort du cœur, le bouseux. C'est le mec qui rajoute une couche. Le gros fouteur de merde. Allez, on fait top 1, là, ok? C'est comme tu veux, Kai. Mais bon. Je te jure, en fait, le choix, il est trop difficile quand tu veux reprendre un appartement à Paris. Tu te dis, putain, là, t'es à côté de l'Arc de Triomphe, Champs-Élysées, tu deviens difficile sur tes choix. Tu vois, pire qu'une gronzesse, mon gars, je te le jure. Toi, faut que tu sois à côté de l'Arc de Triomphe. Non, pas spécialement, mais... faut vraiment que j'ai tout à proximité. Tu sais, faut pas... Tu sais, en gros, faut pas que je sois dans Paris et mettre 40 minutes pour arriver à la Tour Eiffel, dans des beaux endroits, tu vois. Il faut que je sois au milieu de tout. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je vois. Après, c'est un choix, hein. Je crois que tu te plaisais bien dans ton appart, là. Mais je me plais très bien, c'est sauf que j'aimerais bien voir plus grand. Un appartement, mais plus grand. Moi aussi, j'aimerais bien voir une copine, là. D'ailleurs, en parlant de fille... Il y aura plus Jeannette, hein. Hein? Bah, c'est pas grave. J'embaucherai une femme de ménage. Okay. Bah si, quand même. Parce que je la trouve très gentille. Où tu vas, là? Je suis là, là, il y a des coffres. Tiens, le bouseux, tiens, prends ça. Putain, mais j'arrive à me retourner. Mais c'est quoi ce délire? T'es trop gros sac à merde. On tire d'ici. T'as réussi à avoir l'appart? Ouais, j'ai eu les gars. J'ai les clés samedi. Non. Toutes les propositions que j'ai dans mes mails pour les gens qui me posent des fautes d'orthographe. On est mort. Non, le bouseux, non. Non, qu'est-ce que j'ai foutu? Moi, je suis pas mort. What? Pourquoi? Je sais pas. La vie de ma mère, je suis pas. Non, arrête le bouseux, non. La vie de ma mère, je suis pas mort, la preuve. Non, mais le bouseux, arrête. Regardez, ça m'amuse à quoi? Regardez, non mais regardez de vos propres yeux! Putain! Attends, je crois qu'il se fout de ma gueule lui, attends. Non mais j'ai changé mes touches pour sortir, du coup je suis perdu. Attends, qu'est-ce qu'il m'a fait le mec de miniature là? Qu'est-ce qu'il t'a fait de quoi? Attends, je vais appeler le mec. Le bouseux, tu me protèges? Tu l'appelles là? Ouais, le mec de la miniature. Il m'a tout fait le contraire. Pourquoi il m'a fait ça?
Ouais, c'est moi. Tu m'as envoyé la mauvaise miniature, tu l'as pas faite? Bah oui. C'est la deuxième. Merci. Merci beaucoup. Hein. Bah oui, heureusement. Ça va, je l'ai pas grondé, j'ai rien dit. Je dis écoute, j'ai rien dit. Mec, mais dis pourquoi tu le grondes? Oh putain, tu veux de périgouli. Je le gronde pas. T'appelles ça gronder, toi? Sur moi, sur moi. Attends, le bouge, attends. C'est bon, je suis là. C'est mon taquet. Ah ouais. Oh ouais, c'est deux pro players, quoi. Pourquoi tu dis ça? Ah ouais. Fais gaffe, ils sont devant! Tiens ta mère, saute fils de pur plopérieur! Tiens ta mère, la reine des salopes, plopérieur fils de pute, hein! Hein, la putain de ta mère, va, mange ça, fils de chien, va! Regarde, tu vas me faire tomber là. Il est en bas. Tiens, fils de pute. Allez, GG, hein. TK, on voit que t'es présent. Pire, on voit que sans toi, je suis pas. Mais quoi, je suis pire, hein? Hein, pro player, t'es pire. Ah, ta mère. Culé. Pro player, c'est B, ouais. Eh, descendez vos merdes de la. Je sais pas quoi là. Allez. Pro player, the B, ma bite, ma grosse bite, ma merci grosse bite dans leur construction. Moi. J'aurais pu le faire tomber en vrai, j'ai fait le con. Oh. Oh non, la zone est loin, j'aurais jamais dû tirer. Tu viens? Je suis là. T'as pris le kit et tout? Je me suis mis le kit, bien sûr. Ah merde, j'ai des mini-potes pour toi. Hein. Tiens, sur la route. Pour devenir maître Pokémon, je suis prêt à tout, après tout. Je fonce sur toi devant. Y'a pas d'embot. Ouais, le mec, il a fait une tour et tout. Je suis motivé, quoi. Putain, comment je suis content de les avoir détruits là! Dans leur. Fais gaffe, y'en a un là! Il est là-haut! Il vient de prendre une faille ou c'est pas lui? C'est lui? Ah, il est là! Il est descendu! Et il est là! Tiens. Bien joué, tiens. Bien joué. Ils étaient deux, du mais coup. Mais tiens, ouais, mais pro player, mon cul. Mon cul. Mon chat. Mon cul. Mon chat. La zone. Chulé, la zone. Pro player. Oh, comment ça me zaffe quand tu me dis ça. Ça me donne encore plus envie de les niquer. Putain. Je te jure, ça me fait bander quand je joue contre des mecs qui savent super bien construire. Et que moi j'arrive pas à construire, mais je leur nique leur race. Putain! Mais c'est parce que t'as du shoot, hein. Mais ouais, mais c'est ça! Tu leur laves la construction, ils valent plus rien, ces bâtards! Toi, tu prends un minigun et une scar, les autres, c'est du pâté, hein. Après, eux, les derniers, ils étaient pas bons, hein. Mais c'est ceux d'avant, ils étaient bons. Enfin, ils étaient bons, je suis pas sûr, ouais, ils nous ont pas enlevé de vie. Tu veux de la construire ou pas? Non, avance. Là, tu sais quoi, même si je me fais tuer, c'est pas grave. T'as prouvé ce que tu valais, c'est ça? Le Seigneur est avec toi. Vive le M-Bot. Oh putain, tu nous as vraiment fait rigoler quand on était avec toi hier. Les abonnés.
Mes abonnés, je les vois bien, tu sais, dire, fais-nous des guilis, papa ours. Des guilis. Oh putain, tu les as vraiment fait des guilis. Bon. Ok, fais gaffe, hein. J'ai cru voir des gens là-bas. Y'a rien. Rigouli. Je te regarde en faisant une rédaction. Une rédaction. Sur quoi ta rédaction, mon grand? Quoi? Hein? Yenna, il fait une rédaction en me regardant. C'est quoi ça, une rédaction? Ah oui, c'est vrai que tu t'es arrêté en CM1, toi. Mais ta gueule, toi, vas-y, dis c'est quoi, le de banni. Vas-y, vas-y, ça, vas-y, c'est quoi, c'est quoi? Vas-y, non, je te dis même pas, tu regarderas sur Google. Les gars, c'est quoi une rédaction? Vraiment, fils de... Je lui demande... Jure. Ouais. Il est KO. Faut pas qu'il reste, jette des trucs. Oh putain, merde, je suis pas passé loin là. Ok, il le reste pas. Il le reste pas, fais gaffe, protège-toi. Ok, il tombe. Bien joué. Je l'ai pas vu le bouseux, je suis désolé, je l'ai pas vu. Non, bien joué à lui, ouais, non, c'est ma faute, okay, c'est ma faute. Alors j'ai fait totalement de la merde. Putain, je mets son pote, je mets une balle de ouf. Lui il arrive, il pue la merde, il sait pas construire. Et moi je stresse, je sais pas pourquoi je stresse. Oh là là là, je vais pas mourir contre lui, pourquoi je descends, j'ai la hauteur. Ah oh là 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 là, bizarre que je prenne pas ce qu'il... Allez, prêt, s'il te plaît. Ah, merci. Bien fait pour votre gueule. Merci beaucoup, mec. Là, je me suis mis prêt. Praloche. Il a dû être déçu. C'est quoi cette miniature qui m'en... Mais c'est pas moi ça! C'est que le mec oh marche, quoi. Il est en 1v2 mais il mourrait. Je... Il les a volés sans t'arrêter. J'ai voté pour toi aux élections déléguées. Bah, tout le bouseux. On va où? Faire un cross. Allez, yalla. Les mecs de ma classe ont voté pour toi. Pourquoi vous votez pour moi? Vous avez l'option de déléguer. Non, vous voulez vous raconter des blagues, là. J'arrête de rigoler, c'est pas bon. Oh. Qu'est-ce que c'est bon de rigoler. Ah, je te jure, j'ai toute catégorie dans ma communauté. Bon, là, j'ai des bons, des pas bons, des sérieux, des pas sérieux. Ah, pourquoi mes gros bébés, pourquoi?
Oh, yes. Le son TK, le son il est très bien les garçons là. Dédicace à Twitos, s'il te plaît, TK, une grosse dédicace à Twitos. Le bouseux, tu vas manger quoi ce soir? Oh, il y a un abonné. Oh, oui. Oh, le bouseux, tu vas manger quoi ce soir? Je sais pas, au resto, je pense. Avec qui? Oh là là. Bah, dis-moi si je t'emmerde, hein. Le mec, il me dit oh là là. Non, je t'en poserai plus des questions. Désolé, Sushi, je t'aimais bien, mais je peux pas. Mais je t'aimais bien quand même. T'as tué l'abonné là? Bah ouais. Je suis un méchant, mais je sais bien. Mais... Oh. Évidemment, on va se faire niquer. Ça, c'est vrai. Et d'ailleurs, je me demande d'ailleurs pourquoi on s'est toujours pas fait niquer là. Vraiment. TK, il s'est éloigné de son micro. Je suis là. Vous m'entendez bien là? Là, je suis là. Ouais. C'est un micro Rode ça, non? Bah ouais, c'est ce que j'ai actuellement là. Pourquoi tu m'entends bizarre? Non, t'inquiète. Qu'est-ce que j'ai bien rigolé, putain. Oh là là. Requaison. Quelqu'un restant avec un pote. Oh là là, qu'est-ce que je rigole bien en ce moment. J'ai pas envie depuis pas mal de temps là. TK, tu es le frère jumeau à Mitro. Je comprends pas les gens, qu'est-ce qu'ils font? Tu es le frère jumeau à Mitroglou. Ok. Mais je vois pas qui c'est. Quel resto, les gars? Je sais pas quel resto aller. Je vois pas qui c'est, mec, je suis désolé. On est lundi, non, ça devrait aller. Les abonnés, c'est des tarés ce qu'ils m'envoient. La miniature, c'est celle-là. Je vais la garder, celle-là, je la garde. Parce que c'est trop ça, en fait. Le mec qui. Putain, mais. Le mec qui m'a recalé, je le vois trop bien comme ça en plus. C'est trop ça, je te jure, avec sa petite mallette là. Je suis parti, moi. Big Fernand. Oh, Big Fernand. Big Fernand. Mais c'est en ville, c'est casse-couille d'aller en ville. Le bouseux, ça va? Tu joues tout seul ou comment ça se passe là? What? What? Dans quoi de là? What? What? C'est quoi ça? What, Nalchetan? Mais c'est qui a fait voltiger comme ça le quad? C'est des mecs. Il se bat en quad? Pourquoi ça touche pas? Non. Non, il a plus de vie. Wow, mais ah, putain! Mais c'est moi qui a plus de vie, non, maintenant! Mais putain, non, mais je suis vraiment d'enculé! Y'en a, il a deux de vie! Y'en a, il a deux de vie! Oh. Non! Les mecs, ils se sont barrés en quad, j'y crois pas! Putain, quel con! Ah, je connais pas la vie de ma mère! Oh là, je vois pas qui c'est, votre Nitroglou! Oh là, la vie de ma mère, je connais pas! Je reconnais, je l'aurais dit, les frères! Oh là, je connais pas, j'ai juré! Attends, je les entends! Mais si c'est un chanteur ou un truc comme ça, merci pour le compliment, mec. Enfin, je sais même pas qui c'est, je... Non, ils sont barrés. En tout cas, j'espère que c'est une bonne personne. What? Dans la forêt, c'est sûr. Pourquoi ils seraient barrés du quad? Pour faire... Oh, il a one-shot le quad, lui. Au-dessus. Oh, j'ai besoin de toi. T'inquiète pas, je prends la hauteur. Ouah, bien joué, mec. T'es trop fort. T'es trop fort. Moins 60.
GG. T'es beaucoup trop fort, mec. Tu caches derrière un arbre, il me met la balle, quoi. Putain. Oh! J'ai tué son pote! Putain, GG. Merde, bâtard! Putain! Il lui restait combien de vie? 20% de vie, 20%! Mais 20% de vie, putain! Oh, le gameplay que je vous propose encore une fois! Merci beaucoup, boss dernière. YouTube! Mitroglou, c'est un ancien dieu dans la mythologie grecque. Ah bah merci beaucoup, mec! Bah faut pas me comparer à un dieu parce que c'est haram, c'est péché, mais merci! Bon bah c'est gentil, merci beaucoup, les mecs! Mais fallait pas, hein, vraiment! Merci beaucoup, les garçons! Oh. C'est le resto de la taverne qui est bon à Rennes. J'ai pas très faim. Mitroglou, c'est un joueur de foot. T'as dit quoi sur Mitroglou? Je sais pas. Bah, un mec, il m'a dit Mitroglou, c'est un ancien dieu dans la mythologie grecque. Attends. Mitroglou, mytho joli, mi quoi? Mythologie grecque. Attendez. Mythologie grecque. Mitroglou, l'arme fatale. Je vais à Grizzly Groove. Ok, j'arrive. Ah, je comprends. Non, pas en ville, les gars, pas en ville, c'est la merde en ville. Je vais aller en... autour de Rennes, moi, je préfère. En ville, en moto, c'est bien, hein, mais quand t'es en voiture, c'est nul. Oh putain, j'ai vu vraiment trop rigoler. Oh mais putain, c'est quoi ce monde? Mais y a un truc trop bizarre à Grizzly Groove, hein. C'était pas aussi blindé auparavant. Pourquoi ces gros hellef ils vont pas tilt tower, bordel de merde? Tiens, fils de pute! Tiens ta mère la pute! De toute façon, je suis mort le bouseux, il me reste 40% de vie. Le mec, je l'ai tué avec une arme de poing, c'est hellouf. Mange à ta merde. Viens, c'est pas la tête, c'est bon. Allez, hop, je fais juste ça, les gars. Une Clio. Ah le bâtard, bien joué. C'est pas grave, TK, c'est pas grave. Aujourd'hui j'ai été nul à chier, toi t'as été bon. Voilà, tant mieux. Ah là 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 là. Ils ont bien joué, les gars. Hop. Et Guy. Putain. J'arrête, hein. T'arrêtes au bouseux? Je stop. Vas-y, ok. Bon, on se dit à demain. Eh, c'est demain qui sort le pompe? Demain ou après-demain, je pense. Après-demain. D'accord, vas-y, bah moi je vais sortir ma vidéo. Moi. Vas-y, vas-y, bisous. Bisous. Bisous, bisous, TK, ciao. Bisous, bisous. Bon, allez, on va arrêter de blaguer. Les gars, je veux sortir une vidéo dans quelques instants. Je rigole parce que c'est la miniature qui me fait rire.
C'est la miniature qui me fait rire. Les gars, je vous invite à laisser votre plus gros pouce bleu sur ma dernière vidéo. Elle vient de sortir il y a quelques instants. Ça s'appelle « Je dévoile mon salaire à un propriétaire ». Et franchement, vous allez tout comprendre. Franchement, vous allez rigoler. Désolé si je pleure un peu dans la vidéo parce qu'en fait, j'étais en larmes. Parce qu'en fait, j'étais mort de rire. Parce que ce truc-là, on me l'a jamais dit, tu vois. Bref, je vous en dis pas plus. La vidéo parle d'elle-même. Et n'oubliez pas le petit gros pouce bleu, ça me fait énormément plaisir. Mille merci aux personnes qui contribueront au petit pouce bleu, ça bouffe pas de pain, c'est gratuit. Et puis voilà, quoi qu'il arrive, c'est un mal pour un bien parce qu'au final, il a accepté quand même le rendez-vous. Et puis voilà, je vous laisse avec cette vidéo-là, j'espère que ça va vous donner le smile. Et voilà, en tout cas, sachez que moi, dans la vidéo, je vous donne raison. Hein, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont critiqué sur les fautes d'orthographe. Je donne raison dans la vidéo. Bref, bon visionnage et j'espère que ça va vous plaire. Ciao, ciao les reilles, merci.